Alléluia. Gloire à Dieu. Bonsoir, Église. Shalom. Bienvenue ce soir dans la présence de Dieu. Si ça ne te dérange pas, tu peux saluer même de loin ton frère qui est assis à tes côtés. Je te dis bienvenue dans la présence de Dieu ce soir. Bienvenue dans ce culte d'intercession, dans ce culte de prière. Alléluia. Bienvenue dans ce premier jeudi du mois de septembre. Un jeudi où nous allons consacrer en même temps ce mois de septembre entre les mains du Seigneur. Un jeudi où l'Éternel opéra énormément du bien. Alors si quelqu'un ce soir est avec moi, tu vas prendre ta Bible dans le psaume 118, pardon, les versets 24. Psaume 118, le verset 24. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous, pour toi et moi, un sujet d'allégresse et de joie. La pensée cachée derrière celui qui a écrit ces textes, ces versets, c'est qu'il est en train de dire, c'est une journée de délivrance, probablement une journée de rédemption, une journée de salut. J'aime l'interprétation, il dit, une journée d'allégresse, un sujet d'allégresse et de joie. Alors ce soir, nous sommes venus prier, nous sommes venus chercher Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Une journée où Dieu va délivrer plusieurs. Une journée où Dieu va relever plusieurs. Une journée où Dieu fera du bien à plusieurs en ce lieu. Alors comme il est écrit, ce soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Si tu crois à cette parole, que Dieu va opérer des délivrances, que Dieu va libérer sa gloire, que Dieu va te rencontrer, que Dieu va te visiter, que Dieu te fera du bien et que c'est une journée de joie et d'allégresse pour toi, tu te mettras à te lever et à clamer fortement le Seigneur en proclamant que ce soir, c'est une journée d'allégresse et de joie. En proclamant cela, tu seras en train d'acclamer l'Éternel. Tu seras en train d'acclamer l'Éternel. Tu acclames Jésus de Nazareth. Tu acclames le roi des nations. Tu acclames celui qui est Dieu. Tu acclames celui qui ne joue pas. Tu acclames celui qui vit pour toujours. Tu acclames celui qui t'a appelé. Tu acclames celui qui règne à jamais. Tu acclames celui qui est vivant. Tu acclames celui qui t'a aimé. Tu acclames celui qui fait de ta vie et de cette journée un sujet de joie, un sujet d'allégresse, un sujet de joie et d'allégresse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Aide-moi à bien acclamer le roi des rois. Aide-moi à bien acclamer les rois des nations. Aide-moi à bien acclamer les seigneurs des seigneurs. Aide-moi à bien acclamer celui qui était, qui est, qui vient. Aide-moi à bien acclamer celui qui nous a sauvés. Aide-moi à bien acclamer celui qui nous a rachetés. Aide-moi à bien acclamer. Aide-moi à bien acclamer celui qui est notre délivrance. Aide-moi à acclamer celui qui est notre haute retraite. Aide-moi à acclamer Jésus de Nazareth. El Elyon est son nom. Jéhovah Jireh est son nom. El Shaddai est son nom. Alléluia. Aide-moi à acclamer le Dieu qui est digne de gloire. Aide-moi à acclamer le Dieu qui est digne de gloire. Aide-moi à acclamer celui qui dit un mot et la chose arrive. Aide-moi à acclamer celui qui fait de ce culte un culte d'allégresse et de joie. Aide-moi à acclamer celui qui fait de ce moment un moment des sujets de joie et d'allégresse, de délivrance, de rédemption et de salut pour toi. Aide-moi à acclamer celui qui est Dieu. Aide-moi à acclamer celui qui est vivant.
aide-moi à clamer celui qui t'a appelé, celui qui te connaît par ton nom. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jéhovah, son nom c'est Jéhovah, son nom c'est Rapha, son nom est Elion, son nom c'est Jésus. Aide-moi à l'acclamer, aide-moi à l'acclamer, aide-moi à l'acclamer. Alléluia. Alléluia. Oh, Shalabadalabasata. Élève tes deux mains. Il est déjà présent en ce lieu. Lui qui a dit là où trois de son semble en son nom, il est là. Nous voulons reconnaître sa présence. Nous voulons bénir sa présence. Nous voulons l'élever, l'exalter car il est présent en ce lieu. Lui qui a dit invoque-moi, je te répondrai. Ce soir, quelqu'un est venu invoquer Dieu. Lui qui a dit qu'il est près de ceux qui l'invoquent, près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Ce soir, quelqu'un est venu invoquer Dieu. Alors il se présente devant l'Éternel. Il veut dire à Dieu, Seigneur, me voici tel que je suis. Me voici tel que je suis. Me voici tel que je suis. Ah. Jésus, Jésus, nous sommes là. Jésus, alléluia, nous sommes là. Jésus, alléluia, nous sommes là. Le Père de toutes les familles, dans les ciels et sur la terre, pour chercher notre Dieu. L'on vient pour chercher notre bien-aimé. Mon cœur soupire après mon bien-aimé. Mon cœur soupire après mon bien-aimé. J'ai l'anguille après mon bien-aimé. Je viens après mon bien-aimé. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Commence à lui dire, Seigneur, me voici ce soir dans ta présence. Me voici ce soir dans ta maison. C'est Dieu qui a dit, invoque-moi, moi je te répondrai. Quelqu'un peut commencer à s'abandonner auprès de Dieu et dire, Seigneur, me voici ce soir. Ce soir encore, je viens te chercher. Ce soir, agrée-moi dans ta présence. Ce soir, je viens devant ton trône. Ce soir, je viens devant ton trône éternel. Ce soir, je viens déverser mon âme devant toi.
Ce soir, je viens déverser ma vie devant toi. Ce soir, je viens déverser ma vie devant toi. Ce soir, je viens encore devant ton trône. Ce soir, je viens encore devant ton trône. Rechercher ta face. Poursuivre ta face. Rechercher ta face. Poursuivre ta face éternelle. Ce soir, quelqu'un est venu te chercher. Ce soir, nous sommes venus t'implorer. Ce soir, nous sommes venus t'invoquer. Oh, toi qui entends la prière, oui, les hommes viendront à toi. Oui, ce soir, nous sommes venus à toi. Oui, ce soir, nous sommes venus à toi. Oui, alléluia, éternel. Ce soir, je suis venu à toi. Cherche ce soir, créez-nous encore. Un papa est venu te chercher. Une maman est venue te chercher. Un jeune homme est venu te chercher. Ce soir, nous sommes venus à toi. Ce soir, nous sommes venus t'implorer. Ce soir, nous sommes venus te chercher. Ce soir, nous sommes venus te réclamer. Nous voici, éternel. Nous voulons nous présenter devant le roi. Nous voulons nous présenter devant Jésus, lui qui nous soutient, lui qui est notre bouclier, lui qui est notre rempart, lui qui est notre appui, lui qui est notre refuge, lui qui entend nos prières. Ce soir, nous sommes venus à lui. Ce soir, nous sommes venus à lui. Quelqu'un se présente à Dieu. Quelqu'un se présente à Dieu. Il est en train de dire à Denzambe Talangaïli Soussou. C'est encore moi qui suis venu en venant de toi. C'est encore moi qui suis venu te chercher. C'est encore moi qui suis venu t'implorer. C'est encore moi qui suis venu te réclamer. C'est encore moi qui suis venu te chercher. Le Dieu de mon âme. Quelqu'un se présente. Quelqu'un se présente. Il dit à Dieu simplement, mais voici. Il dit à Dieu simplement, mais voici. Mais voici. Encore ce soir, mais voici encore ce soir, mais voici encore ce soir, mais voici encore ce soir, je suis venu te chercher, c'est encore moi qui suis venu frapper à ta porte, c'est encore moi qui est venu frapper, qui suis venu frapper à la porte de Jésus, c'est encore moi. Oh, quelqu'un se présente, oh, quelqu'un se présente, ce jour-là, Dieu a posé la question à Élie. Il a dit à Élie, Élie, que fais-tu ici? Élie, que fais-tu ici? Ce jour-là, il a posé la question à Élie. Quelqu'un ce soir, il dit à Dieu, mais voici. Ah, oh, mais voici. Ah, oh, mais voici encore. C'est encore moi, je suis venu chercher Dieu. Dans ce culte de génie et toco, c'est encore moi qui suis venu chercher. C'est encore moi qui suis venu chercher Dieu. Les génies passés, j'étais là. Aujourd'hui encore, je suis là. C'est encore moi. C'est encore moi. C'est encore moi qui suis venu te chercher. C'est encore moi, Zambé. Zambé, Alembakangaïté. J'étais là le matin. J'étais là à midi. Je suis venu encore le soir avec le même sujet. Tu ne te fatigues pas de moi. Je me présente. C'est encore moi, éternel. C'est encore moi. Je me présente ce soir. C'est encore moi. C'est encore moi. Oh, c'est le milieu de culte. Je me retiens, éternel. Je suis venu te chercher. Je suis venu te chercher, je suis venu te chercher, je suis venu te chercher. La Bible déclare, mon cœur n'y est pas. Cherchez ma face. Pourquoi y en est pour nous cantamber? Bien-aimé, pourquoi tu es là? Bien-aimé, pourquoi tu es venu? Bien-aimé, pourquoi tu es venu? Est-ce que tu es venu chercher Dieu? Est-ce que tu es venu chercher Jésus? Oh, Shalama Sata! Oh, présente-toi seulement. Dis, c'est encore moi. C'est encore moi. C'est encore moi. C'est encore moi. Un chantier, c'est encore moi. Comme si rien ne suffisait pas. Je suis venu encore auprès de Dieu. Papa, papa, c'est Dieu qui ne se fatigue pas. C'est Dieu qui ne se lasse pas de m'entendre et de m'accueillir. Je suis venu encore. C'est encore moi. Oui, c'est encore moi. Oui, c'est encore moi. Oui, c'est encore moi. Oui, c'est encore moi. C'est encore moi. C'est encore moi.
C'est encore moi, à toi qui a dit, à toi qui a dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués, changez. C'est encore moi. C'est encore moi, c'est encore moi, Éternel. C'est encore moi, Éternel. Il ne s'agit pas de mon voisin, il ne s'agit pas de ma voisine. Je ne te parle pas de mon pasteur, je ne te parle pas d'un ouvrier, je te parle de moi. C'est encore moi, Éternel. Une femme qui a tant de famille, une femme qui a tant des enfants, il vient et dit à Dieu, c'est encore moi. Un homme qui cherche du travail, un homme qui a des complications à la justice, il vient à Dieu, c'est encore moi qui suis venu te chercher. C'est encore moi. 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 Le matin, je demandais la même chose. À midi, je dis la même chose. Jeudi passé, je dis la même chose. Mais c'est encore moi qui suis venu te chercher. Tambe na l'invité, tambe pour les mangaïtés. C'est encore moi. Oh, tambe, tambe, tambe. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est encore moi. Mon cœur dit de ta part chercher ma face. Combien de fois la Bible ne détermine pas, combien de nombre de jours il n'est pas mentionné, Seigneur. Il est dit, cherchez ma face. Je te chercherai encore. Je te chercherai encore. Je te chercherai encore. Je te chercherai encore. Pour mes enfants, je suis venu me présenter. C'est encore moi, Éternel. Je suis venu me présenter. C'est encore moi, Éternel. En ce début de prière, c'est encore moi qui suis venu. C'est encore Julio. Oui, Éternel, c'est encore moi. J'avais parlé de ces problèmes le jeudi passé. Je suis venu encore te parler, Éternel. C'est encore moi. C'est encore moi. C'est encore moi. C'est encore moi. Si tu peux libérer ta grâce ce soir sur moi. C'est encore moi. Si tu peux libérer ton feu sur moi, c'est encore moi. Si tu peux libérer ta gloire sur ma maison, c'est encore moi qui suis venu te parler. Tambe, 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 tambe. C'est encore moi, Éternel. C'est encore moi, Jésus. C'est encore moi, Maranatha. C'est encore moi, El Elyon. C'est encore moi qui suis venu te chercher. Oh, Shalabadabasata. C'est encore moi. 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 Avec le même sujet, avec les mêmes paroles, avec les mêmes dossiers, avec les mêmes inquiétudes, avec les mêmes soucis, avec la même forme, je suis venu encore. C'est encore moi, Éternel. C'est encore moi. Je me présente, je me présente, je me présente. Tambe na pokwe alelo, mon angai tambe, na boutu alelo, talabomo inangai. Je suis venu encore parler à Dieu, je suis venu encore me présenter, je suis venu encore me déverser, je suis venu encore me déverser dans sa présence et lui dire, c'est encore moi, Éternel. Oh, shalabadabasata. Il a dit à Eli, que fais-tu ici? Il a dit à Eli, que fais-tu ici? Eli a commencé à parler. Eli a commencé à parler. Ce soir, Dieu demande à quelqu'un, que fais-tu ici? Présente-toi. Présente-toi devant Dieu. Dis-lui pourquoi tu es là. Dis-lui pourquoi tu es venu. Dis-lui pourquoi tu es venu. Dis-lui pourquoi tu es venu. Dis-lui pourquoi ces sacrifices. Dis-lui. Présente-toi. Présente-toi, Bintam Benego présentez-o, Banananga, Nego présentez-o, Moussa Nanga, Nego présentez-o, les problèmes qu'elle fait, je suis venu, me présenter d'abord, simplement. Oh Rabba, Shitali Gaya Brada, oh Rasata Laika Lama Sata,
Je suis venu me présenter. Il s'agit de ma vie. Il s'agit de ma vie. Il s'agit de mon église. Il s'agit de ma maison. Je suis venu me présenter. Oh Shalabasata. Oh Shalabasata. Naeko Lukanzambe. Naeko Fanda Kinyate. Naeko Lukanzambe. Naeko Ebisaye Talangai. Naeko Ebisaye Monangai. Naeko Ebisaye Siakongo. Naeko Ebisaye Nzambe. Shalidaba Brosa Kelega. Alléluia. Je me présente. Aribaso Kanadabasata. Alléluia, 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 alléluia. Oh Jésus, quelqu'un est venu chercher Dieu, quelqu'un est venu chercher Dieu. Ecco Lucanzambe, ecco Lucanzambe, ecco Lucanzambe, ecco Lucanzambe, ecco Lucanzambe, ecco Lucanzambe, ecco Lucanzambe. Arriva Santa la Gayabra, Imana Namatele Kayamashata, Ina Kayamasata Lava. Je suis venu te présenter. N'est-ce pas Santa Metala Vinaga? N'est-ce pas Santa la situation Langa? N'est-ce pas Santa? Mais voici la preuve de l'énergie. Shalamasata. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Eko Lukayo. Eko Lukayo. Quelqu'un est venu te chercher. On est venu t'implorer. On est venu te chercher. On se présente. Dis Seigneur, me voici. Et Ramana Namashata là-bas. Oh Ramazo Katalaba Shayaba. Oh Ramatala Gayaba Shatalaba. Les piliers qui soutient ma vie. Ah. Les piliers qui soutient ma vie. Monsieur Jésus qui soutient ma vie. Monsieur Jésus qui soutient ma vie. Tu es le pilier. Le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Monsieur Jésus. Est-ce que tu lui dis qu'il est le pilier qui soutient ta vie?
Est-ce que tu lui dis que le pilier qui soutient ta famille? Est-ce que tu lui dis que le pilier qui soutient tes enfants? Est-ce que tu peux lui dire qu'il est le pilier qui soutient ton travail? Est-ce que tu peux lui dire qu'il est le pilier qui soutient ta maison? Est-ce que tu peux lui dire qu'il est le pilier qui soutient ton église? Est-ce que tu peux commencer à lui dire qu'il est le pilier qui soutient le travail de ton père? Cher enfant, jeune homme, est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu, Seigneur, tu es le pilier qui soutient ma maison, qui soutient notre famille? Est-ce que tu peux lui dire que tu es le pilier qui soutient mes études? Est-ce que tu peux lui dire que tu es le pilier qui soutient le travail de mon mari? Est-ce que tu peux lui dire que tu es le pilier qui soutient mon couple? Est-ce que tu peux lui dire que tu es le pilier qui soutient mon ministère? Est-ce que tu peux lui dire que tu es le pilier qui soutient ma famille? Tu peux lui dire que tu es le pilier qui soutient ma vie? Est-ce que tu peux les déclarer? Tu peux dire, Seigneur, tu es mon pilier, tu es mon soutien, tu es mon abri, tu es mon rempart, tu es mon réconfort, tu es ma rétribution, tu rends méchants selon leurs œuvres. Est-ce que tu peux parler à Dieu, lui dire, Seigneur, tu es le pilier qui soutient ma vie, tu es le soutien de ma âme, tu es le soutien de ma vie, tu es le soutien de ma famille, tu es le rocher sur lequel je m'appuie, tu es l'appui qui soutiens ma maison, tu es la pierre sur laquelle j'ai bâti ma maison éternelle. Est-ce que tu peux parler à Dieu et dire, Seigneur, c'est toi le pilier. 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 Yonne ma cassia libote langaï. Yonne ma cassia ecclesia langaï. Yonne ma cassia bananangaï. Yonne makasi ya bana na ngantambe. Quelqu'un lui dit, Seigneur, yonne makasi ya Moussa nanga. Quelqu'un lui dit, yonne nyoso ponanga. Tu es ma promotion, tu es mon élévation, tu es mon expansion. Alléluia. Quelqu'un a dit à Dieu, tu es mon bienfaiteur. C'est toi qui m'as soutenu les nations. Tu peux dire à Dieu ce soir, Seigneur, tu es mon soutien, tu es mon appui, tu es mon abri, tu es mon fils, tu es tout pour moi. C'est en toi que je me confie, c'est en toi que je me confie, c'est auprès de toi que je trouve les refuges. Tu es mon asile, tu es tout pour moi éternel. Parle à Dieu. Sharabasta. Alléluia. Le pilier qui soutient ma vie, c'est toi. Le pilier qui soutient ma vie, c'est toi. Le pilier qui soutient ma vie, c'est toi. Le pilier qui soutient ma foi. Le pilier qui soutient ma foi. Le pilier qui soutient ma foi. Le pilier qui soutient mon âme. Le pilier qui soutient mes enfants. Le pilier, c'est Jésus. Le pilier de mon âme. Le pilier de mon âme. Le pilier de mon église. Le pilier de la maison de Dieu. Le pilier qui soutient Philadelphie. Le pilier qui soutient les pasteurs. Le pilier qui soutient le peuple. Le pilier qui soutient cette maison. Le pilier, c'est Jésus. Oh, ma haute retraite, ma bannière, mon refuge, mon réconfort, mon rempart, ma ville de refuge, Jésus. Alléluia, alléluia, mon appui, alléluia, mon abri sûr, éternel. N'ayez qu'on l'obé l'ensemble, n'ayez qu'on l'obé l'ensemble. Je veux lui parler à Dieu, lui dire qu'il est tout pour moi, lui dire qu'il est mon bon berger, lui dire qu'il est mon bon berger, lui dire qu'il est mon bon berger. Il est celui qui me protège, il est celui qui te garde, il est celui qui te protège, il est celui qui te garde, il est celui qui te soutient. Il est ton bon berger, il est mon bon berger, il est notre bon berger. Nous sommes en train de l'élever, nous sommes en train de lui dire, Seigneur, tu es tout pour nous. Il est ma santé, il est ma quiétude, il est ma paix, il est mon obsession, il est l'objet de ma requête, il est l'objet de ma recherche, il est mon appui, il est mon sauveur. Oh Sharaba. Ah, Ramasata, Nekolobela Yenzambe, Yonne Midiavalia Balanangai, Nekolobela Yenzambe, Yonne Sadera Mabayinanga, Nekolobela Yenzambe, Yonne Sadera Mwasinanga, Nekolobela Yenzambe, Yonne Mayele, Yavanangana Kenasi, Nekolobela Yenzambe, Yonne Soutien Libota, Nekolobela Yenzambe.
Shadababo sote le gaya brasata. Arababo sote le brasote le ba. Arababo sote le brade le bashaya. Oh, on est venu parler à Dieu. On est venu parler à Jésus. On est venu nous parler à Dieu. Je suis venu m'exprimer. Lui dire ça, mais Sophie, n'a pas soukawapi. Sophie, mon sous-soisalité. Sophie, mon sous-soisalité. Sophie, mon sous-soisalité. Pour ma vie, pour ma maison, pour ma vie, pour l'église. Sophie, t'en mette. Mon sous-soisalité. Mon sous-soisalité. Mosu suazate, naye kolobela Yesu. Oh shakasaba. Oh la la mashayaba. Male brada la maso tene brada la ba. Amashalaba. C'est toi seul éternel qui nous a soutenu. Oh. Je crie à toi. Ah, imakama satana ya bashaya. Emana na ekolobela yonzambe. Na ekolobela yonzambe. Na ekolobela yonzambe. Na ekolobela makambu fwazena nga yebite. Na ekolobela makambu pasteur yebite. Je n'ai jamais dit ça au pasteur, je n'ai jamais dit ça à un ami, je n'ai jamais dit ça à un ouvrier, je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Je suis venu crier à Dieu, lui parler, lui dire Seigneur, mais voici, yon de nyo solanga, yon de solutionanga, yon de makasinanga, yon de likyananga, yon de nyo solanga, yon de guérisonanga. Chacun parle à Dieu selon son problème, chacun parle à Dieu selon son cas, chacun parle à Dieu selon sa vie. Oh Rabba Satala Gashatala Emma, 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 Emma. On appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. On appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. Azamoyo Kilosambo. Il est le Dieu qui entend la prière et qui exauce. Il est le Dieu qui entend la prière et qui exauce. Ce n'est pas en vain qu'il a dit invoque-moi. Je te répondrai, invoque-moi. Il veut qu'on puisse l'invoquer. Il a des réponses, mais il faut qu'on l'invoque. Il a des réponses, mais il faut qu'on l'invoque. Oh, je crie à toi. Allah la bashat la bra. C'est ici, la journée que l'Éternel a nommée. Ah, et quelqu'un va dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui c'est la journée de ma délivrance. Aujourd'hui je ne sortirai pas tel que je suis entré. Aujourd'hui je sortirai avec mon Isaac. Aujourd'hui je sortirai avec mon Samuel. Aujourd'hui je sortirai avec mon héritage. Aujourd'hui je sortirai. Non pas les mains brides. Aujourd'hui je sortirai en ces lieux, mes fardeaux seront déchargés. Quelqu'un est en train de dire à Denzambe Lelo, Nayaki Kolukayo, Nayaki Kolukayo, Nayaki Kolukayo. Allons parle à Dieu. Dis-lui Seigneur, je vais te chercher. Tu connais mon problème, tu connais mon souci, tu connais mon dossier, tu connais mes attentes. Shabarosote. Je suis venu me déverser, je suis venu me libérer, je suis venu me déployer, je suis venu me déployer, parler à Jésus-Christ. Parlez à Jésus-Christ, à lui qui a dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, à celui qui a dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Il a les repos de nos âmes. Il a les repos de nos âmes. Il a les repos de nos âmes éternelles. Oh Shalabasata. Oh Shalabasata. Et mes mains vers le ciel, et te donne-moi
cherche Dieu, c'est comment qu'on te cherche, c'est de quelle manière dois-je te chercher. Je sais une chose que Jésus est au contrôle. Ça ne marche pas, mais je sais une chose que Jésus est au contrôle. Oh, j'ai encore pleuré, mais je sais une chose que Jésus est au contrôle. Quelqu'un dit, viens tomber, ça m'a fait mal, mais je vais te dire que tu es au contrôle. Ou comme abrosu katakayaba sota, imabrate kayama sota libra shota. Priez comme il passe, mais je dis à Dieu, je sais que tu es au contrôle. Ça me dépasse la situation, mais je vais dire à Dieu, je sais que tu es au contrôle. Tu es au contrôle, Seigneur. Au contrôle de ma vie, au contrôle de tout, au contrôle de ma vie, au contrôle de ma vie, au contrôle de ma vie, au contrôle de nos vies, au contrôle de l'Église, au contrôle de nos familles, au contrôle de tout. Au contrôle de toutes choses. Oh, Shakata. Atana katia mon lili à côté le mois Nanyabe Kamanansambe Osu Yela Nasuni Yesuya Naya Motema. Oh Jésus, Nzambe. Na Julio na benga manayo na suka na soni jamais. Eh, karabasha talabra sayama. Yombo pesanga di bala oyo nzambe. E manda boni na koma na divorce jamais. Yombo pesanga musala oyo nzambe. E manda boni balongo la ngali susu na sanga mongo jamais. Yombo benga ngayo bakina ngao koza na nga. E manda boni nzambe na koma kolela. Nala bi jamais. Ah, katabasha kata. Ah, katakaya basata laba. Je ne peux pas qu'il y ait un diplôme au Zambé. Et ma maman est dans le chômage au Zambé. C'est toi qui m'as donné ce mariage. Et ma maman est ma beauté Zoyate. Zambé, Ponanini. Ponanini.
Jésus. Atadama ikaniba salaba. Adadama kopratalama shalebaba. Lemanikayama sitanikayama boshatalaba. Tu as dit dans ta parole. Tu as dit dans ta parole. Que celui qui a commencé en moi, c'est une bonne œuvre. Le mariage que tu as donné, c'est une bonne œuvre. Le travail qu'il t'a donné, c'est une bonne œuvre. Et ben d'abord, il y a ce qu'on a fait là. Et ben d'abord, il m'a botté et a été. Et ben d'abord, il a mon promotion. Et ben d'abord, il semble le bas. Et Jésus, 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 Jésus. Mon Dieu, mon Sauveur, mon rocher, mon appui, je suis venu me déverser, me déverser, me déverser, me déverser auprès de lui, lui qui connaît mon problème, lui qui connaît ton problème, lui qui connaît ta situation, lui qui connaît ton cas, lui qui connaît tes inquiétudes, lui qui connaît tes affaires, lui qui connaît ce qui te fait pleurer, lui qui connaît ce qui te tourmente, lui qui connaît ce qui te dérange, lui qui connaît. C'est à lui que je suis venu. 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 C'est auprès de lui que je suis venu. Chercher sa face. Chercher sa face. L'implorer, le réclamer, le chercher. Le supplier, l'invoquer. La Bible dit qu'il est près de ceux qui l'invoquent. Près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Je suis venu le chercher. Je suis venu le chercher. Je suis venu le supplier. Et Amen. La situation. Les dieux qui changent. Abratakayaba sayaba. Abratakayaba shalaba. Toyekolukanzambe. La Bible déclare. Comme les yeux des serviteurs sont fixés sur leur maître, ainsi nos regards sont tournés vers toi. Ainsi nos regards sont fixés vers l'Éternel. Ainsi nos regards sont fixés vers toi ce soir. Un zambé. Et Jésus, il s'agit de ma vie. Il s'agit de mon dossier. Il est écrit dans ton palais, tout s'écrit gloire. Mais quand je regarde ma vie, où est ta gloire? Ora rosakata. Ora osata la basha. Ola makata namasa. Ola manana mazaya bashat. Ega da bazaga yaba. Il a dit dans Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Il a dit toujours dans Jérémie, vous m'invoquerez, vous partirez. Il a dit dans les psaumes, je suis près de ceux qui m'invoquent. Il a des réponses, mais il veut que tu l'invoques. Il veut que tu lui parles. Il veut que tu lui parles. Il veut que tu lui parles. Oh managaya bashata la brasata. Oh manikaya mandela basota lebra. Oh la la badela basita la gaya bashaya. Ebra tanakaya masota libra da laba. Ibra da la gaya mandele gaya basota libra da laba. Alleluia, alleluia, alleluia. Le psalmiste a dit, je te cherche, ne me cache pas ta face, ne me cache pas ta face. Quelqu'un dit à Dieu, dans le caillot, comment la main est longue, il a été.
bombe la mêlo nina yote. Ne me cache pas ta face. Ne me prive 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 pas. Ne me prive pas. Ne me prive pas. Ne me cache pas. Ne me cache point ta face. Eh, Yesu. Eh, Yesu. Les psaumes 28, 27, les versets 9. Ne me cache pas ta face. Ne me cache pas ta face. Ne me cache pas ta face. Les psaumes 27, les versets 9. Les psalmistes ont dit, je te cherche. Ne me cache pas ta face. Oh Jésus. Oh Jésus. Ne me cache pas. Ne me cache pas. Oh Nzambe. Oh Rabakota le Kayabasha. Ebra, Katobaya Bashata. Ebra Mazota Lavash. Ebra Managaya Babo, Managaya Babo Santa. Lebra Dali Kata Lebra de Leva Santa Lavashayaba. Ne me cache pas ta face. Ne me cache pas ta face. Ne me cache pas. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Éternel. Non, ne me cache pas ta face. Oui. Dis-lui, ne me cache pas ta face. Ah, tes études. Tes études cherchent la face de Dieu. La face de Dieu cachée. Dis-lui, ne me cache pas ta face. Ton travail cherche la face de Dieu. La face de Dieu est cachée. Ton couple cherche la face de Dieu. La face de Dieu est cachée. Tes entrailles cherchent la face de Dieu. La face de Dieu est cachée. Ce soir, dis à Dieu, ne me cache pas. Ne me cache pas. Ne me cache pas. Ta face. 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 Tes finances cherchent Dieu. La face de Dieu est cachée. Ce soir, dis à Dieu, ne me cache pas. Ne me cache pas ta face. Ton ministère cherche la face de Dieu, mais Dieu cache. Dis-lui, ne me cache pas, je te prie. Ne me cache pas. Ne me cache pas. Ne me cache pas. Ne cache pas à mes enfants ta face. Les psaumes 27, le verset 9. Ne me cache pas. Ne me cache pas. Ne me cache pas. Ta face. Oh. Oh, Shalabasata. Oh, la lamazikata labashandelebrasata. E kararaba ibala namazata namashata la dala ukamazuta libra sateleba. Ta poche cherche la face de Dieu. La face de Dieu est cachée. Et puis c'est une zambe, ne me cache pas. Ta femme, ton mari cherche la face de Dieu. La face de Dieu est cachée.
Tes études cherchent la face de Dieu. La face de Dieu est cachée. Dis-lui ce soir, ne me cache pas. Ne me cache pas ta face. Si je trouvais grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Ah! Aussi je suis ton bien-aimé, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Zambé, si je trouvais grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire. Ah, Baba. Ne me prive pas ta gloire. Ah, mon chant. Si ce mariage vient de Dieu, ne me prive pas des enfants. Ne me prive pas ta gloire. Chala. Si je trouvais des réunions comme celle-ci. Chacun est venu chercher Dieu et chacun connaît les domaines de sa vie qui ne voit pas la face de Dieu. Chacun connaît l'aspect de sa vie qui cherche à voir Dieu mais qui ne voit pas Dieu. Chacun sait que ses finances cherchent à voir la face de Dieu mais la face de Dieu est cachée. Le psaume 27, le verset 9 qu'on a lu. Le psalmiste dit, ne me cache pas ta face. Ton travail cherche la face de Dieu, mais la face de Dieu est cachée. Ton mariage cherche la face de Dieu, la face de Dieu est longtemps cachée. Si le psalmiste l'a dit, c'est parce que Dieu avait caché sa face à cet homme. Mais dis à Dieu, Seigneur, je te prie, ne me cache pas ta face. Quel est l'aspect de ta vie qui ne voit pas la face de Dieu? Quel est le domaine de ta vie qui ne voit pas la face de Dieu? Ce soir, pendant 10 minutes, nous voulons dire à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta face. Tu diras à Dieu le domaine de ta vie qui ne marche pas. Et tu le sais. Ça te cause la honte. Ça cause la honte à ta maison. Mais ce soir, tu peux dire à Dieu, Seigneur, ne me prive pas ta face. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, je ne sors pas de ce lieu si je ne vois pas ta face. C'est la rentrée scolaire, tu réfléchis. Tu ne sais pas comment tu vas faire. L'école de tes enfants ne voit pas la face de Dieu. C'est le moment de crier à Dieu et de dire, Seigneur, ne me cache pas ta face. Si les aspects de ta vie, tous les aspects de ta vie voient la face de Dieu, il n'y a aucun souci. Mais si comme moi,
Il y a des aspects de ma vie qui doivent voir la face de Dieu. Je veux les supplier, lui dire, Seigneur, avant qu'on écoute la parole, je te prie, ne me cache pas ta face. Je veux voir ta gloire dans un aspect précis de ta vie. Car la Bible déclare dans Ésaïe 43, le verset 21, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Autrement dit, ma gloire. Mais quand tu regardes ta vie, ta maison, est-ce que tu publies vraiment la gloire de Dieu? Ce soir, nous voulons dire à Dieu, Seigneur, ne nous cache pas ta face. Nous voulons être de ceux qui publient ta gloire, qui publient tes louanges, qui publient ta gloire. Ne nous cache pas ta face. Pour ceux qui peuvent le faire, levons-nous. Bientôt, on va écouter la parole de Dieu, mais avant cela, nous voulons prier. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, ne nous cache pas ta face. Luc 18, le verset 7, la Bible dit, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? » Jour et nuit, il crie à Dieu. La Bible dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? J'ai parlé avec un bien-aimé, un papa. Il a acheté deux fois des maisons. Et deux fois de suite, on est en train de l'escroquer. La première, quelqu'un l'a pris. La deuxième, quelqu'un est sur le point de les prendre encore. Ces domaines de sa vie doivent voir la face de Dieu. Pendant que je parle, tu connais ta vie mieux que moi. Quel est cet aspect qui ne voit pas la gloire de Dieu? Je te donne 5 minutes. Alors que tu es debout, tu veux parler à Dieu, dis Seigneur, Namona Kembonayo. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Tu t'es tenu debout devant la présence de Dieu. Où est la gloire de Dieu dans ma vie? Où est la gloire de Dieu dans mes études? Où est la gloire de Dieu dans mon travail? Où est la gloire de Dieu dans ce dossier à la justice? Où est la gloire de Dieu? Où est la gloire de Dieu? Seigneur, ne me prive pas ta face. Je veux voir ta gloire éternelle. Je veux voir ta gloire éternelle. Oh, oh Jésus, oh Jésus, où est ta gloire? Où est ta gloire? Où est ta gloire? Où est ta face? Ne me prive pas ta face, ne me prive pas ta face éternelle, ne me prive pas ta face éternelle. Ne me prive pas ta gloire éternelle. Ne me prive pas ta gloire, Jésus. Ne me prive pas ta gloire éternelle. Je reconnais, je sais que tu peux tout. Ne me prive pas ta face. Oh là Dieu. Ora o shalamasa. Ora o kanama. Ora o sata. Oh, wapi kembo na nzambe. Wapi kembo na nzambe na bomo inangai. Wapi kembo na nzambe na betu de banana yo. Où est la gloire de Dieu? Où est la gloire de Dieu? Les nations qui se formaient. Ta vie ne publie pas encore la gloire de Dieu, bien-aimé. Ta vie ne publie pas encore la gloire de Dieu. Ah, bashakata basata. Je vais publier la gloire de Dieu. Ne cache pas ta face. Ne cache pas ta face à mes enfants. Ne cache pas ta face aux études de mes enfants. Ne cache pas ta face au travail de mon mari. Au travail de mon épouse. Ne cache pas ta face à mon église. Ne cache pas ta face. Quelqu'un parle à Dieu. Oh!
Dans mon église,
Où est ta gloire? 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 Wapi Kembo? Wapi Kembo? Nabomo inanga. Wapi Kembo? Wapi Kembo? Tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et rien. Job, Job 42, les versets 1. Job 42, les versets 1. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu paies tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Ce soir, avant d'écouter la parole, je voudrais qu'on fasse cette prière. Regarde ta vie. Examine-toi, dis Seigneur, je reconnais que tu paies tout. Voilà pourquoi on chante ces chants, ces refrains. Quand tu regardes les domaines de ta vie, tu dis, Nzambe, je reconnais que tu paies tout. Job a dit ça au dernier chapitre, lorsqu'il a vu Dieu. Lorsqu'il a discuté avec Dieu, lorsqu'il a vu la grandeur de Dieu. Mais ce soir, alors que tu es en train de dire ça, tu es conscient que Nzambe omonie nanouté. Job avait dit, mes yeux t'ont vu, parce que mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Mais ce soir, il est possible que tu n'as pas encore vu Dieu. Mais tu veux dire à Dieu, je ne ferai pas comme Job, je n'attends pas la fin du chapitre. Pour dire, je reconnais que tu paies tout. Moi, je veux reconnaître déjà maintenant que tu paies tout. Je reconnais que tu peux tout. Et que aussi. Oh, je reconnais. C'est une prière. Et tu peux tout. Et rien ne t'est impossible. Oh, je reconnais. Je Et de rien ne t'est
je reconnais que tu peux tout. Job, il avait tout perdu. Ce soir, je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce que tu as raté. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a glissé entre les mains. Je ne sais pas. Il a perdu femme, il a perdu les enfants, pardon. L'argent, il a perdu. Le respect, il avait perdu. L'honneur, il avait perdu. Mais il dit à Dieu, je reconnais que tu peux tout. Je me redis à quelqu'un, tout ce que tu as perdu, Dieu peut te le rendre. Ça se trouve dans le tout de Dieu. Quand tu chantes, je reconnais que tu peux tout. Un mari qui est parti, il peut revenir. Un travail que tu as perdu, tu peux le retrouver. Cet argent que tu as perdu, c'est dans le tout de Dieu, tu peux le retrouver. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Seigneur, 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 fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Ceux et seuls qui croient qu'ils verront la gloire de Dieu de s'élever et de commencer à acclamer Jésus-Christ. À ceux et seuls qui croient qu'ils verront la gloire de Dieu, qu'ils se mettent à acclamer Jésus. À ceux et seuls qui croient qu'ils verront la gloire de Dieu, ils sont témoins en train d'acclamer Jésus. À ceux et celles qui croient, qui verront la gloire de Dieu, qui verront la gloire de Dieu, qui verront la gloire de Dieu, ils se lèvent, ils acclament, ils acclament, ils acclament, ils acclament, ils acclament. Jésus, Jésus. C'est certain. Nous, nous sommes de ceux qui verront ta face et qui verront ta gloire. C'est certain que nous sommes de ceux qui verront ta gloire. Nous ne pensons pas, nous attestons que nous sommes de ceux et celles qui verront ta gloire dans nos vies. Seigneur, merci pour cette première manche. Fais-nous du bien encore dans cette seconde partie.
Parle-nous. Libère encore ta gloire par la bouche de ta servante. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia. Nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Nous voulons écouter la parole de Dieu. La personne qui nous apporte la parole ce soir, dans cette deuxième manche de ce moment de prière, c'est une fille de Dieu, une fille de la maison, une maman bien. Alors, j'aimerais que vous puissiez m'aider à accueillir Maman Mireille Mtsoki. Alors que la servante de Dieu s'avance sous vos clameurs. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Seigneur Jésus, je ne suis rien. Je ne suis rien du tout. Mais ce soir, tu as voulu m'utiliser comme instrument, comme le micro qui t'appartient en ce lieu, comme le synthétiseur qui t'appartient en ce lieu. Je ne suis qu'un instrument. Père, tu sais comment tu traites tes instruments. Pour ta gloire, glorifie-toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis contente d'être devant vous. C'est le produit de la grâce. Ce n'est que la grâce qui permet qu'aujourd'hui je sois devant vous. Et je remercie celui qui fait la grâce, notre Seigneur Jésus-Christ. Je remercie aussi mon coach, il est là, je suis très content de le voir. Je le remercie pour la marque de confiance qu'il a faite. Je remercie aussi maman Toti pour sa marque de confiance aussi. Et voilà, nous sommes là, nous allons vous parler de la part de Dieu. Sans plus tarder, nous allons énoncer notre thème. Nous sommes en train de parler dans le même thème qui avait déjà été annoncé par le pasteur Zaché, je crois, il y a deux semaines, donc il y a deux jeudis. Il a donné comme thème « Il n'a pas dit ». Je suis dans ce même ordre d'idée, il n'a pas dit, mais mon sous-thème, le sous-thème que l'Esprit m'a donné, c'est que tu ne mourras pas comme un homme. Notre texte de base, nous le trouvons dans Juges chapitre 16, le verset 4 au verset 30. Et nous allons faire une lecture kangourou. Vu la longueur du texte, nous allons dans Juges chapitre 16, verset 4, déjà, 4 à 6. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour le dompter. » Et nous te donnerons chacun 1100 sicles d'argent. Delila dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudra te lier pour te dompter. Nous sommes à 10 de
à 16, Juges 16, 17 à 22, il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu de le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Delila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les sept tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter et il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je me tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crèvèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec les chaînes des reins. Ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice. Je crois qu'il faudrait que nous puissions sauter. On va prendre 25 à 30. J'étais déjà en train d'aller très rapidement. La suite, c'est qu'on prend 25 à 30, toujours juge 16. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes et Samson dit au jeune homme qui les tenait par la main, « Laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. » Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, « Que je meure avec les Philistins. » Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ce qu'il fit périr à sa mort fut plus nombreux que ce qu'il avait tué pendant sa vie. Amen. Bien-aimés, à lire ce texte pour permettre une meilleure compréhension, j'ai dû diviser ce texte en deux parties. La première partie, c'est la partie qui parle du dépouillement et de la chute de Samson. La deuxième partie parle du relèvement de Samson. Samson, déjà dans la première partie, on parle de Samson. Samson est un juge nazaréen à qui Dieu a doté d'une force spéciale afin d'accomplir une mission, celle de délivrer les peuples d'Israël de la main des Philistins. Et quand nous lisons les passages précédents, Samson est à l'œuvre, il connaît des exploits. Il fait des exploits en respectant les principes que Dieu lui a donnés. En tant que Nazaréen, il avait l'obligation de respecter deux grands principes. Les deux grands principes du Nazaréen, c'était que le rasoir ne devait pas passer sur sa tête, bien qu'il était consacré, c'est ça d'abord déjà le Nazaréen, consacré à Dieu, et le rasoir ne devait pas passer par sa tête. Deuxièmement, il ne veut pas prendre les produits de la vigne. Pas de vin, pas de raisin, pas d'alcool. C'était ça les obligations.
il les a respectés pendant un bon moment. Mais à un certain moment, justement, à partir du chapitre du verset 4, tel que nous l'avons lu, à un certain moment, Samson fait une rencontre. Il rencontre Delila. La Bible déclare que Delila est originaire de la vallée. Elle est originaire de la vallée de Sorek. Sorek signifie une vigne noble. Pendant que notre bien-aimé Samson a l'interdiction d'être en contact avec la vigne, mais il va rencontrer une femme d'origine, originaire de Sorek, Sorek qui signifie une vigne noble. Il va consommer la vigne noble. Il va consommer la vigne. Bien-aimé, ce soir, nous parlons de Delila. Delila, l'objectif de Delila est de te détourner de la mission de Dieu. L'objectif de Delila est de te détourner de la destinée de Dieu. C'est cela, Delila. La première chose que Delila fait, il le détourne du principe, du principe du Nazaréat, du premier interdit de Nazaréat, de consommer l'alcool. Elle fait ça. Deuxièmement, elle se bat. Quand vous lisez les autres passages que nous avons sautés, Delila se bat pour connaître les secrets de la force de Samson. Et pour Delila, dès qu'elle sait, on rase. Elle-même, c'est elle-même qui prend la charge. Elle rase la tête de Samson. Les Delilah sont ceux qui... Ce n'est pas forcément un péché. Ça peut être une mauvaise décision qui te détourne de la destinée, de la mission que Dieu t'a donnée sur cette terre. Ça peut être une mauvaise rencontre. Ça peut être une mauvaise relation. Ça peut être un mauvais travail. Ça peut être une mauvaise église. Ça peut être une désobéissance. Et ce qui se passe, c'est que quand Delila fait ça, Samson est dans une certaine confiance. Pour Samson, Delila l'aime. Ils entrent en contact, il se dit que non, Delila l'aime. Pour Samson, Delila l'aime. Et c'est ce que l'ennemi fait. Quand il commence à te détourner, il te met dans une situation de confort. Tu as l'impression que ce que tu es en train de faire, tu es dans le bon. Alors que tu es déjà en train de te détourner. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et c'est ce que Delila a fait. Il a mis Samson dans la confiance. Samson a commencé même à parler. Et ensuite, après avoir fait ça, l'ennemi, ce qu'il fait ensuite, c'est qu'il crée une atmosphère où maintenant, il crée l'habitude avec Dieu. Samson a commencé à s'habituer avec Dieu. Si vous lisez même, Samson commence même à mentir. Il fait des blagues bizarres. Non, si on lui pose la question, quel est le secret de ta force? Samson raconte un truc genre, si tu me lis, la force partirait. Il commence à mentir. Il commence à s'habituer avec Delila. Petit à petit, il commence à s'approcher du secret. Il s'approche du secret à cause des blagues. À cause du n'importe quoi. L'objectif de Delila, c'est de faire de toi un homme ordinaire. La Bible déclare dans Psaume 82, « Je vous ai dit, vous êtes des dieux, mais cependant, vous mourrez comme des hommes. » L'objectif de Delila est que vous puissiez mourir comme un homme, que vous deveniez un homme ordinaire, pour que vous puissiez trouver la vie normale. Tu commences à dire, ah, est-ce que quand on fait ça, c'est mauvais? L'objectif de Delila. Tu commences à discuter sur des choses qui étaient des interdits dans ta vie. C'est ça l'objectif de Delila. Pour te détourner de la consécration. Tu jeûnais. Tu avais des jours où tu jeûnais. Tu faisais des sacrifices. Tu venais à l'église. Tu prenais la montagne. Aujourd'hui, tu commences à avoir des discussions sur ça. L'objectif de Delila commence à être atteint. Bien-aimé, c'est mauvais de tomber entre les mains de Delila. Malheureusement, Samson
est tombé entre les mains de Delila. Lorsque Delila a commencé à atteindre sa mission, Samson a ouvert son cœur. Il lui a dit, le rasoir ne devait pas passer par ma tête, ne devait jamais passer par ma tête. Le jour où le rasoir passe, je deviendrai comme tout homme. Et ils ont fait ce qu'ils ont dû faire. Delila elle-même s'est chargée de raser les 7 tresses. Il avait perdu toute sa force. Et vous savez, pour prouver juste qu'il poursuivait les objectifs, il poursuivait la vision de Samson, ils ont commencé par crever ses yeux. Ils ont crevé ses yeux parce qu'ils ne devaient plus voir. Bien-aimé, c'est ce que l'ennemi cherche. Crever tes yeux, que tu perdes le nord, que tu perdes les objectifs, que tu perdes la vision pour laquelle Dieu t'a amené sur terre. Ça, c'est la première partie. Bien-aimé, ce qui est intéressant, c'est qu'il existe une deuxième partie. L'histoire ne s'arrête pas sur la première partie. J'aime la deuxième partie plus que la première partie. C'est là que nous allons vraiment nous atteler. J'aime cette deuxième partie. La Bible déclare que lorsque Samson était en prison, on l'a sorti de la prison. Avant qu'on le sorte, on dit que les cheveux commençaient à pousser à peine. Il y avait quand même quelques cheveux qui poussaient. Et on l'a sorti de la prison. On l'a mis dans le temple, dans le public, pour qu'il commence à jouer. Question qu'il commence à s'amuser, qu'il soit leur jouet. Quand l'ennemi prend ta vie, tu deviens son jouet. Quand il a réussi sa mission, il te transforme en jouet. Et puis c'est lui qui se moque de toi. Ce sont les Philistins qui se moquaient maintenant de lui. Ils l'ont transformé. La Bible déclare, il tournait la meule. Vous savez, un héros comme Samson, la force de Samson, il doit aller tourner la meule. Tourner la meule, c'est un travail de femme. Mais un héros réduit à un travail de femme, c'est ce que l'ennemi fait. Il a creusé ses yeux. L'objectif, au début déjà, quand nous lisons, les Philistins n'ont pas eu honte de dire à Delila, nous voulons le dompter, nous voulons le maîtriser. Comment on fait pour dompter cet homme? Comment on fait pour le maîtriser? L'objectif de l'ennemi, c'est de te dompter, de te maîtriser, de te contrôler. C'est ce qu'il veut faire. C'est la raison pour laquelle ils se sont précipités, crever les yeux pour le contrôler. Bien-aimé, tu vas te mettre à lier les esprits de contrôle. Oh, je lis les esprits de contrôle. Tu vas voir les chats qui passent. Tu lis les esprits de contrôle. Un certain moment, tu passes ton temps. En réalité, c'est plus tes yeux qui ont été crevés. C'est toi qui ne sais pas le voir. Ils te voient parce que toi, tu ne sais pas les voir. Ils te contrôlent parce que toi, tu ne sais plus les contrôler. Parce que tu blagues avec l'ennemi. Ce que j'aime, c'est la deuxième partie. Bien aimé, la deuxième partie est très intéressante. Lorsqu'on le met, on commence à blaguer. On commence à se moquer, il devient un jouet, il se moque de lui. Qu'est-ce que Samson fait? Il appelle un jeune homme, il y avait un jeune homme qui l'aidait parce qu'il n'avait plus Dieu. Il y avait un jeune homme qui l'aidait et qui le tenait à la main. Il a demandé à ce jeune homme, aide-moi. Aide-moi à le tenir sur les colonnes. Bien-aimé, nous sommes déjà en train de parler du relèvement de Samson. Le relèvement, il y a des éléments qui facilitent le relèvement. Le premier élément qui facilite le relèvement, c'est l'humilité. L'humilité facilite le relèvement. Samson, qui était un grand héros, si vous lisez la Bible, Samson fait toujours cavalier seul. Il se bat seul. Il renverse plusieurs personnes et il n'a pas besoin d'un appui. Il le fait seul.
Samson se bat seul. Il n'a jamais eu besoin d'un appui. Aujourd'hui, il a besoin d'un jeune enfant. Il a besoin d'un jeune garçon. Il a besoin d'un petit que lui. L'humilité. Il reconnaît qu'il n'a plus Dieu. Il reconnaît qu'il est devenu faible. C'est ce qu'on doit faire. Il faut s'humilier. Il faut s'humilier quand tu reconnais que tu t'es détourné de la vision de Dieu. Quand tu sais que tu as désobéi à un certain moment. Quand tu sais que tu n'as pas fait les choses correctement. Quand tu sais que là où tu devais être, c'est pas de là où tu es, c'est pas là où tu devais être. Que des gens qui ont pris des décisions à cause de Delila, la colère, il a quitté une église, il a quitté un travail, il a quitté lieu de sa destinée. Des erreurs à ne pas commettre. Parce que le diable t'attend. Il t'attend au tournoi. Tu penses que non, tu fais bien, mais tu vas regretter. Bien-aimé, la première chose, telle que je le disais, c'est l'humilité. La deuxième chose, on dit que Samson dit au jeune garçon, « Conduis-moi vers le pilier. Je voudrais m'appuyer sur les deux piliers. » Et il va vers le pilier. La deuxième chose, c'est se confier à Dieu. Mettre sa confiance en Dieu. Remets ta confiance à Dieu. Confie-toi en Dieu. Ça, c'est le deuxième élément qui facilite le relèvement. Le troisième élément qui facilite le relèvement, m'a compliqué d'avoir moi-même. Quand je lisais la Bible, j'ai dit, Seigneur, il y a déjà le premier élément, le deuxième élément. Normalement, si tu veux, tu pouvais pardonner. Et puis en finir, il a péché d'abord, avant tout. Il essaie de tourner de toi. Il a reconnu, il s'est humilié. Et puis c'est fini. Mais ce que Dieu fait, après cela, Dieu ne s'arrête pas là-bas. On assiste à la destruction des ennemis de Samson. Là, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? En réalité, Samson n'a plus de force, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit, le jour où le rasoir passera par la tête. C'est pas, oh, ça passe et puis ça pousse et puis... Non, non. Une seule fois que le rasoir passe, la seule fois, la force est partie. La seule fois que le rasoir passera, la première et la seule fois, ça veut dire que Samson est fini, en réalité. Il est fini. Il n'y a pas de solution. Il est fini. Alors je me suis arrêtée, je suis bloquée, j'ai dit, mais Seigneur, enseigne-moi de plus, je suis bloquée moi-même. La suite c'est quoi? C'est ainsi que Dieu me ramène à un passage, Juges chapitre 13, le verset 2. Je peux lire, Juges chapitre 13, le verset 2. Il y avait un homme de Sorera, de la famille de Danit, qui s'appelait Manoac. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Ce qui m'intéresse, c'est juste l'origine. Ce qui m'intéresse, c'est l'origine du père de Samson. Manoac est un Danit. Ce qui veut dire que Samson est un Danit. Par rapport à la Bible, il y avait des bénédictions, des paroles, des promesses qui avaient été prononcées. Qui avaient été prononcées sur les Danites. Les Danites sont les descendants de Dan, de la tribu de Dan. Deutéronome chapitre 33, le verset 22. Deutéronome chapitre 33,
le verset 22, la Bible dit ceci. Dan est un lion qui se lance de Bassan. Dan est un lion qui s'élance de Bassan. Samson est donc un lion. OK? Alors le lion, la caractéristique de ce lion, c'est quoi? Nombre chapitre 23, le verset 24. C'est ici même le nœud de notre sujet. Nombre chapitre 23, le verset 24, la Bible dit, « C'est un peuple qui s'élève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait du sang des blessés. » C'est pourquoi, bien-aimé, Samson ne pouvait pas mourir. Samson ne pouvait pas mourir dans cette défaite. Il était impossible que Samson meure par cette défaite à cause de son appartenance à la tribu des Danites, à cause de la race. Il appartenait à la race des lions. Il appartient à la race des lions. Il ne peut pas mourir comme une personne quelconque. Samson est un lion. Bien-aimés, vous savez, la race des lions, c'est la race qui ne reste pas sur un échec. La race de lion, c'est la race qui surmonte les échecs. Il ne reste pas figé sur un échec. Il surmonte l'échec. Il regarde l'échec. Il dit, toi, tu ne me renverseras pas. Je finirai avec toi avant la tombée de la nuit. Avant ma mort, je finirai avec toi. Bien-aimé, c'est une race fantastique. C'est une race spéciale. Vous savez, le diable, tel qu'il est là, il est toujours mauvais. Il n'avait pas l'information. Il se disait que lui, il pouvait savoir que la force de Samson était dans ses cheveux. Il s'est dit, lorsqu'on coupe les cheveux, le dossier est fini. Le gars est fini. Mais il n'avait pas l'information que l'affaire ne se limitait plus aux cheveux. L'affaire était dans le sang. C'était dans le sang des Danites. Ils avaient dépassé la limite humaine. Tout se passait maintenant dans le sang. Ce n'était plus dans les cheveux. C'était une affaire de sang. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils n'avaient pas l'information. Le diable était embrouillé. Il n'avait pas l'information. Il était distrait. Vous savez, quand la force est dans les cheveux là, il suffisait qu'on coupe, tout le corps est fatigué. Mais le sang circule partout. Il n'y a aucun organe où le sang ne circule pas. Dieu a fait les choses pour que le sang circule partout. Dieu est terrible. Dieu, il est terrible. Bien-aimé, j'aime Dieu. Il est multidimensionnel. Dieu est absolument intelligent. Il est absolument sage. Il ne ressemble à personne. Cette race, c'est une race de personnes remplies. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Les choses ne se trouvent plus dans les cheveux. Parce qu'il suffisait qu'on coupe. La force est partie. Mais le sang circule. Ils sont pleins de Saint-Esprit. Ils sont remplis. Le sang circule. C'est la race de ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Bien-aimés, c'est une race spéciale. C'est une race spéciale. La Bible déclare dans Apocalypse 4, le verset 6 à 7, Dieu parle des quatre êtres vivants. Il dit, il y avait quatre êtres vivants. Je ne lis pas exactement ce qu'il est écrit, mais c'est l'esprit.
de l'esprit du passage, il dit qu'il y avait quatre êtres vivants. Les quatre êtres vivants vivaient dans le trône et autour du trône. De ces quatre êtres vivants, les êtres vivants avaient la face du lion, il y avait la face du veau, de l'aigle et de l'homme. Bien-aimé, cette race reste au trône. Il vit au trône. Il est connecté. Quels que soient les problèmes, il reste connecté au trône. C'est une race qui ne quitte pas le trône. C'est une race qui reste en prière. C'est une race qui reste connectée. Il ne se déconnecte pas pour quoi que ce soit. Il vit au trône. Bien-aimé, tu es de cette race. Si tu es de cette race, reste connecté au trône. Reste en prière. Garde la vie de prière. Garde la vie de l'intimité avec Dieu. C'est une race connectée au trône. Ce même passage dit, il est écrit, ces quatre êtres vivants avaient des yeux. Ils avaient plusieurs yeux. Vous savez pourquoi Samson a vaincu? Quand vous lisez la Bible, il y a quelque chose, je me posais la question. Je dis, mais Samson ne voit pas. Mais quand vous lisez la Bible, il y a des descriptions que la Bible est en train de donner. Il y avait des Philistins en haut. Il y avait des Philistins à gauche. Il y avait des Philistins à droite. Mais lui ne voit pas. À quoi ça lui sert cette description? Bien-aimé, on a percé ses yeux, mais il a des yeux qui peuvent voir. Il y a des yeux terribles. Il voit loin. Il voit plus loin que toi. Il voit très loin. Il peut renverser. Il les a positionnés. Il les a tous situés. Il sait que vous êtes là. Vous êtes là. Et il s'est dit, on a troué les yeux. On a crevé les yeux. Samson ne verra plus. Mais lui, il sait les situer. Il sait situer tous ses ennemis. Il ne rate aucun de ses ennemis. Il ne rate pas de cible. Bien-aimé, c'est une race terrible. Cette race, c'est une race qui marque son temps. C'est une race qui marque l'histoire. Bien-aimé, vous savez, à lire les textes, on a l'impression que Samson avait échoué, hein? N'est-ce pas? Mais quand vous lisez la fin du texte, la Bible dit quoi? Les personnes que Samson a tuées étaient plus nombreuses que celles qu'il a tuées avant. Samson a marqué son temps. Les commentateurs disent qu'il n'a pas vécu longtemps. Là n'est pas notre problème. Parce que je sais que Adam a vécu 930 ans, presque pour rien. Jésus a vécu 33 ans. Dans les 33 ans, il a dit, tout est accompli. Il a tout fait dans les 33 ans. C'est une race qui marque son temps. C'est une race qui atteint ses objectifs. C'est une race qui fait la volonté de Dieu. Bien-aimé, il y a un quatrième élément. Nous allons nous appuyer sur ce quatrième élément. Et nous allons finir, nous allons atterrir. La Bible déclare, Samson pria. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Bien-aimé, la Bible déclare, Apocalypse chapitre 10. Avant de parler de ce passage, qui connaît comment on appelle le cri d'un lion? Comment on appelle? Le rugissement.
La Bible parle dans Apocalypse chapitre 10, le verset 3. Il dit, il criait comme un lion. Il crie comme un lion. Et ses cris, ses rugissements sont suivis de 7 tonnerres. Bien-aimé, la prière d'un lion est suivie de 7 tonnerres. La prière d'un lion n'est pas une prière quelconque. La prière d'un lion détruit. La prière d'un lion fait des effets terribles. Je me souviens, à la croix de Golgotha, mon maître Jésus de Nazareth, tout au long du parcours de sa souffrance, il était un agneau, il avançait comme un agneau, il allait à la croix, il était un agneau. À un certain moment, on dit qu'il a fait sombre. On dit qu'il a fait sombre. Il a changé de race. Il est devenu le lion. Pour la victoire, il est redevenu le lion de la tribu de Juda. La Bible déclare, ne pleure pas. Ne pleure pas, le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir. Bien-aimé, le lion de la tribu de Juda est ici. La prière d'un lion est suivie de 7 tonnerres. Pendant que je parle, j'entends des tonnerres pour relever des ministères qui ont séché. J'entends des tonnerres pour relever des travaux qui ont séché. J'entends des tonnerres qui vont positionner des champs. Les cris des lions. Il y a un lion qui rugit. Il y a un lion qui est en train de rugir. J'entends des tonnerres. La Bible déclare, ils viendront par un chemin. Ils fuiront par 7 chemins. Ça, c'est l'action des tonnerres. Les tonnerres vont leur créer plusieurs chemins. C'est la raison pour laquelle ils sont morts nombreux à cause des tonnerres. Ce soir, j'aimerais que tu te mettes dans ta peau de lion, que tu te lèves, que tu te dresses contre ce problème qui te résiste. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. L'Éternel va te venger. C'est une race que l'Éternel venge. C'est une race que l'Éternel ne laisse pas accroupie. C'est une race que l'Éternel ne laisse pas à genoux. Il va te venger. Avant que tu n'ailles dans la terre, avant que tu ne dormes, avant qu'il ne soit le coucher du soleil, l'Éternel va te venger. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus. Est-ce qu'il y a de la race, section de la race de lion, peuvent se lever, commencer à acclamer. Jésus, Ramachalabasayabra. La servante de Dieu l'a dit. Il a clôturé par la prière de Samson. Il a dit, la prière des lions provoque des tonnerres. Et j'ai aimé la description. Il a dit, les lions rougissent. Ce soir, nous voulons rougir devant ces problèmes. Nous voulons rougir devant cette situation. Nous voulons pousser des cris d'un lion. Nous voulons prier pour dire à Dieu, Seigneur, ce soir, pendant 2-3 minutes, quelqu'un qui veut rougir va s'élever avec moi. Tu seras en train de battre les mains et de pousser simplement des cris de triomphe, des cris de lion. Ce soir, c'est le cri de lion. Ce soir, c'est le cri de lion. Ce soir, c'est le cri de lion.
Ce soir, des lions sont en train de rougir. Ce soir, à Philadelphie, des lions sont en train de rougir. Des lions sont en train de rougir. Nous sommes de la race des lions. Nous sommes de la race des lions. Nous sommes de la race des lions. On ne sera pas terrassé. On ne sera pas terrassé par l'ennemi. Nous sommes de la race des lions. Nous sommes de la race des lions. Nous sommes de la race de Jésus. Nous sommes de la race des lions. Nous sommes de la race des lions. Ebrachatarabab. Acclame l'Éternel. Acclame l'Éternel. À pousse un cri. Est-ce qu'il y a un lion? Est-ce qu'il y a un lion? Est-ce qu'il y a un lion? Tu penses un cri? 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 Que tout le centre de l'eau dispense. Nous sommes à la fin. Vous savez ce qui s'est passé. La servante de Dieu l'a dit. Samson était devenu un jouet. Mais il ne savait pas. Ce jouet qu'ils utilisaient comme Samson, il était descendant de Dan. Il avait en lui le sang de Dan. Mais ça, c'était Samson. Mais toi et moi, Maman Mireille, nous, on a le sang du lion de la tribu de Juda. Le sang du lion de la tribu de Juda. Ces hommes qui se moquaient de Samson, la servante l'a dit, lorsque Samson a prié, il a tué des personnes plus qu'il en a tué pendant sa vie. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, alors que nous serons en train de pousser des cris, les gens qui se sont moqués de toi ne vont plus se moquer de toi. Ah, ah, les gens que tu utilisais comme un jouet, baso sakananayo, baso monelayo, baso sakananayo, ce soir, c'est fini.
glorious. His power. His kingdom forever. Amen. Gloire à Dieu. Au début de ce culte, je l'avais dit ici. Voici les jours que l'Éternel a fait. Et on avait dit, c'est une journée de délivrance. Ceux qui étaient là au début, ça. On avait dit, c'est une journée de délivrance. Or, je ne savais pas que la servante de Dieu allait proclamer une telle parole. Je voulais dire à quelqu'un, tout ce qui te retenait, tout ce qui te bloquait, tout ce qui te stagnait, ce soir, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Au nom de... 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 He's a glorious. He's a glorious. He's a kingdom forever. Amen. He is. He's a glory. Yours. He's a glorious. Seigneur, merci. Merci pour ce jour de victoire. Merci, Seigneur, pour le sang. Ils l'ont vaincu à cause du sang. On n'a pas vaincu à cause des cheveux. On a vaincu à cause du sang et de la parole de leur témoignage. Seigneur, ce cri, c'est un témoignage de notre victoire. Ce cri, c'est une confession de foi. Même si on avait coupé les cheveux, mais Seigneur, on n'a pas détruit la racine. La racine du cheveu se trouve dans le sang. Nous avons la victoire dans le sang. Ils ont détruit ce qui était apparent, mais ils n'ont pas pu détruire la source. Notre source se trouve en Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, un jour que tu as fait, ce jour est pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Seigneur, bénis ces offrandes, bénis ces dîmes, bénis ces libéralités. Au nom de Jésus, amen. Acclamons le Seigneur, acclamons Jésus, acclamons le Seigneur. Nous offrons à Dieu ce qu'il nous a donné. Ceux qui ne la connaissent pas très bien, c'est Maman Mirène Soki, c'est elle la responsable d'évangélisation. Que le Seigneur soit loué pour les grâces qu'il y a parmi nous. Nous sentons qu'il y a encore beaucoup qui sont dans la réserve de Dieu. Le temps seulement permettra qu'ils puissent se manifester encore. Nous passons au communiqué. Le dimanche 4 septembre 2022, nous voulons que nous puissions bien saisir le programme. Il y aura un seul culte. Ce culte va commencer à 8 heures juste. Normalement, nous avons deux cultes. Le premier culte commence d'habitude à 7h30 jusqu'à 9h30. Et le deuxième culte commence à 10h30 jusqu'à 12h30. Mais pour ce dimanche, nous aurons un seul culte à 8 heures juste. Et nous aurons un deuxième culte, ça va être un culte de célébration. Ce culte aura lieu, va commencer à 15 heures. La célébration est dénommée Exode, en l'honneur de Jésus-Christ. De ce fait, les polos Exode sont disponibles à la table de littérature à 10$. J'espère que tout le monde a bien saisi le communiqué, qu'il n'y aura pas deuxième culte comme d'habitude, il n'y aura qu'un seul culte à 8 heures juste. La jeunesse invite tous les jeunes à son culte le samedi 3 septembre de 16h20 à 18h20. Banc de mariage, le samedi 3 septembre 2022 aura lieu à l'église néo-apostolique à 14h juste. Le mariage de la sœur Stalin Ngalola Mwamba et du frère Jean-Claude
Ngwakombe Makutu de la cellule de Kasapa. Le dimanche 10 septembre 2022 aura lieu à l'espace Kilimandjaro à 15h juste le mariage de la sœur Déborah Eze Kankolongo de la jeunesse et du frère Jacob Kabale, Église Porte des Brebis. Le samedi 24 septembre 2022 aura lieu ici au temple à 14h juste le mariage de la sœur Jeannette Mpatu Mushia et du frère Hugues Makombo Otoko de l'intercession et berger de la cellule CRA. Nous avons fini avec le communiqué. Nous disons merci au Seigneur. Nous avons vu papa revenir. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour le retour de ce Père que le Seigneur nous a donné? Nous sommes très heureux, très contents de le revoir. Nous nous sentons en sécurité. Amen. Nous savons que quand le Père est là, les enfants se sentent en sécurité. Je sais ce que j'ai dit. Nous disons merci au Seigneur. Il a été avec eux, avec la famille. Ils ont passé des moments de repos. J'espère qu'ils ont amené encore un souffle nouveau. Et je crois que Dieu va encore nous faire du bien par eux. Nous avons fini avec le culte. Nous pouvons nous tenir debout pour clôturer. Dieu Saint, Dieu d'amour, nous te disons merci. Merci Seigneur, parce que nous n'allons pas mourir de la mort des hommes. Seigneur, tu ne nous as pas appelés à être comme des humains, comme les autres. Tu nous as appelés à réaliser des exploits. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui sentait qu'il était épuisé. Seigneur, qu'il retrouve la force pour terrasser sur ses ennemis, pour vaincre, pour réaliser des exploits. Accompagne chacun de nous dans sa demeure. Merci Seigneur pour le culte de ce dimanche. Merci pour ces cultes de célébration exode. Seigneur, nous savons que tu vas vraiment nous faire du bien. Accompagne chacun de nous dans sa demeure, Seigneur, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.